Est-ce que faire sexe avant le mariage, c'est péché? Une grosse salutation pour vos amis. Nous comptons pour nous retrouver pour nous continuer avec série de vidéos à faire côté de répondre aux questions que amis nous posez. Nous pas oublier série ça a gagné 7 belles réponses là-dedans. Une série de questions nous connaît en pile monde toujours gagné et nous sélectionner pour nous capables poser. Pour nous capables de venir avec réponse sur vous. Maintenant, si vous avez une question pour là, pas oublier, faites question pour là dans le commentaire, posez question dans le commentaire. Dans l'autre série, 7 questions qui vont venir, ou pas, j'aime qu'on ait question pour là, ou capable de joindre réponse. Alors, nous pas besoin de suspendre, merci, parce que chaque jour, ou là ensemble avec nous, ou à étudier la Bible ensemble avec nous, parce que ce canal-là, c'est objectif de ça, aider ou comprendre la Bible. Puis bien, merci à vous-même qui mettez un like, qui partagez, qui faites un commentaire. Ça encourage nous et nous souhaitons, bon Dieu, bénir vous-même qui regardez, qui pour côté inscrit, inscrit dans le canal là pour encourager le travail là, pour nous capables d'aller vraiment plus loin. Je dis à nous gagner une autre question. Est-ce que faire sexe avant le mariage, c'est péché? En créole, est-ce que faire bagaille avant mariage, c'est péché? Qui ça la Bible dit sous bagaille ça? C'est fornication? Est-ce que c'est adultère? Qui ça la Bible dit? Restez avec nous jusqu'à ce que la vidéo a fini pour capable de réponse question ça. Donc, pas oublier, nous toujours dit ça, dans toute bagaille, il y a une règle générale, il y a un principe. Qui ça, bon Dieu, dit? Qui ça, à question sexe là, comment bon Dieu ou elle? Comment la Bible ou elle? Il y a un texte d'Amélie lit ensemble avec nous qui c'est Genèse 2, verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. On a souhaité lire ensemble avec nous. Prends Bibou pour lire ensemble avec nous. Allez chercher Bibou. Allez chercher Bibou. Série ça, on a remis ou rete à Bibou dans mes. Les nouveaux versets ou souliers. Parce que le soulier, de vous ouvrir Bibou là, ou à joindre. 2021, ça, on a apprendre un pile bagaille dans la Bible. Verset 22. L'Éternel, Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Mais verset qui intéressait nous, pour question nous. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Okay? Texte ça très important. Regardez, Kembil, verset 24, Genèse 2, verset 24. Maintenant, faut-il quitter texte ça là? On a lu Genèse 1er, verset 27. Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujetez. Ok? Noé, bon Dieu bénio, les finis les dios, soyez féconds, allez al multiplier la terre, al croiser la terre, al remplir la terre. Li bénio avant. Maintenant, à nous retourner dans le texte Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, son obligation pour quitter maman à papa. Parce que vous levez dans même maman à papa, c'est vous qui grandissez, ou c'est vous qui bon tout son besoin. C'est vous qui kembe monde pour tout petit, pour juste ouvrir le grand monde. Bon, je ne sais pas si ça, je ne sais pas si ça. En pile parent, de pour la caillou, même le grand monde, dans la tête, c'est petit monde, parce que vous n'avez pas décidé d'en vous tête. Et ils font sens sur des grands mondes ou d'avoir la parce que grand monde paraît qu'à grand monde. Et la Bible dit premièrement, ou doit quitter maman à papa. Ok? Premièrement, ou doit quitter maman à papa. Et lorsque vous quittez maman à papa, ou attaché, ou à joindre madame, ou à joindre mari, ou à joindre monsieur, ou bien ou à joindre madame, non? Et les deux deviendront une seule chair. Deviendront une seule chair, ça, il veut dire sexe. Maintenant, bon Dieu, fin béni yo, quitte maman, quitte papa, c'est là ça, yo ka commencé, yo pral nan fè sexe. Ça, c'est ça la Bible dit, ça c'est plan original, bon Dieu te tracé pour faire sexe. Pour moun fè sexe, faut marier ou pas ka fè sexe avant le mariage. Li pa nan plan bon Dieu, li pa nan la Bible. Maintenant, moi ensemble avec vous,
qui a étudié la Bible, nous pas qu'à hypocrite. Nous connaissons en pile monde qui tombait, quel que soit chrétien ou pas, monde l'église ou pas, qui tombait dans le sexe avant le mariage. Dans pile qui tombait dans le sexe sans ou pas marier. Maintenant, l'important pour ou mettre tout petit pour aller contre bon Dieu pour demander le pardon. Parce que c'est lui qui dit, si tu es chaud rouge tant que sang, il va faire blanc tant que la neige. Et c'est lui-même encore qui dit, si vous confessez péché, il est prêt pour le capable pardonner. Maintenant, ça qui arrive ou tomber, ça qui arrive ou tomber, mais mettez à genoux, demandez bon Dieu pardon et font Jean pour ne pas recommencer encore. Dans le monde qui kon dit, ah, et ma font petit temps là, après ça, ma, selon j'aimerais bagayoye, ma marié. Bon, nous bagay. Pas bon monde qui a gagné bœuf la kaili pour la l'acheter l'être. Ok, si moun nan getan gen tout bagay li, li ba wale fè ken efò pou anyen, vase, hey, tout bagay li getan nan men. Sa jè pa gen moun mwen mè ti pa wale, sa pa gen moun ki kap gen bœuf la kali, li gen usine nan pou la nan achete let. Frè Maxwell mè, ti mè dam yo, mè zami, kembe konou, pala gen konou bay ti mè sè yo, kon sa, vase, yo pa prete, ok, yo pa prete, mè sè yo, la Bible dit, nou pa dwe fè sa, kelke swa fi ou bien gason, nous pas de faire sexe avant le mariage, sexe là, ni de faire dans le mariage. Pas oublier, le canal ça c'est côté nous étudier la Bible, souvent mes vidéos, mettez un like, faites un commentaire, posez question pour vous, ou d'accord ou pas d'accord, nous pas de problème à ça. Pas oublier ça, c'est deuxième vidéo dans la série 7 réponses que nous avons porté pour vous sous canal là. Allez fouiller sous canal là, dans pile l'autre vidéo nous fait déjà qui explique en pile bagarre, en pile question, en pile monde. Capable de gagner. N'attendons dans la prochaine vidéo. Pas rater la prochaine vidéo. Si vous pouvez regarder la première vidéo. Première vidéo qui te parle de est-ce qu'un chrétien qui a joué bolette? Algadel, le sous-canal là, Algadel. Et puis, n'attendons dans la prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse abondamment.